J'ai voulu fuir la guerre et rejoindre mon frère en Italie. Alors j'ai pris la mer. Par chance, on a été sauvés du naufrage et je suis arrivé sur l'archipel. La situation est difficile. Chaque jour, de nouveaux visages apparaissent. Heureusement, ici, c'est temporaire. Des locaux sont venus nous attaquer à coups de cocktail Molotov. Ils aimeraient nous voir repartir. Mais où ? Notre camp a été fermé et on a été envoyé à celui de Moria. Apparemment, une femme est morte carbonisée à Lesbos. Les idées noires naissent dans tous les esprits. On manque de tout. La seule qui est bien logée ici, c'est la violence. Moria semble prête à exploser. Ça y est, on va être confinés. Les îles ont été envahies par la Covid-19. Moria brûle. Il paraît que là-bas, certains se sont immolés. On a cru en feu de joie, mais c'était tout l'inverse. On nous a déplacés dans un camp qui n'en était plus un. J'ai entendu dire qu'une frontière flottante allait bientôt être construite. Il n'y a plus d'issue. Certains deviennent fous. Même les enfants prennent des antidépresseurs. Leurs cauchemars sont moins cruels que leur réalité. Tandis qu'on s'entasse, nos espoirs s'échouent. Je ne suis plus qu'à moitié vivant.